Lecteurs, spectateurs, bienvenue à l'Asylan 2024. L'Asylan a toujours été une compétition très particulière, qui demande aussi bien d'être compétent sur de nombreux jeux différents, que de savoir réagir aux imprévus. Mais cette année, j'ai pris le contrôle de ce tournoi afin d'y imposer mes propres règles. J'ai de nombreuses surprises en réserve pour nos participants. Compétiteurs, lesquels d'entre vous sauront se montrer à la hauteur du challenge? Spectateurs, qui soutiendrez-vous au fil de ces épreuves? Que le spectacle commence. La Zlan 2024, une compétition qui réunit près de 200 joueurs, solo, où l'objectif va être simple, s'affronter sur 10 jeux pour essayer d'être le meilleur. La Zlan, vous connaissez sur ma chaîne Twitch. Ça fait plusieurs années qu'on y participe, plusieurs années qu'on kiffe. Cette année, un peu spéciale, parce que ça va être sous le signe du superviseur. Allô, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à la Zlan 2024. Bonjour à toutes et à tous, sur Twitch également, en live, bienvenue, on est au Zénith de Montpellier, on est parti pour 3 jours de compétition incroyable et ça va démarrer dès ce soir. Merci à toutes et à tous d'être là à l'heure, on est au tout début, hein. Vous allez pouvoir vous installer confortablement, on a une très belle scène, on a une très belle salle, il y a énormément de gens qui sont là et d'ailleurs on a tous nos joueurs qui sont là. Comment ça va les joueurs ici? Salut Twitch, la dinguerie. J'espère que ça va, vous passez tous une très bonne journée, c'est Biche Biche, on se retrouve pour un nouveau stream. C'est si de fou, mais vous avez vu comment c'est incroyable, on a les pseudos des gens et tout derrière. Là regardez, je vous ai affiché tous mes potes, je vous ai affiché tous mes potes. Iron qui est là, Blazix qui est là, Cruella DK qui est là. J'espère qu'on va faire une très bonne Zlan, j'espère bien. Le premier jeu mesdames et messieurs c'est PUBG, pour ceux qui ne connaissent pas c'est Player No Battleground. La Zlan cette année, on est dans la fosse d'un putain de zénith. Voilà, qu'on se le dise, dans la fosse d'un putain de zénith. Genre là, il y a la scène devant moi, je peux checker Zerator. Salut! Ouais, il faut avoir un très gros bras. Hein. Regardez ce que la copine de Blazix nous a fait. Regardez. Bonne chance, vous allez gagner, sinon je vous frappe. Et là c'est moi, là c'est Blazix, et là c'est Iron. Voilà. Grave bizarre, frérot. C'est qui a écrit ça? C'est qui a écrit ça? Ça m'intéresse! C'est qui? Bichard, Onutrem, Étoile, Little Big Whale, Bizarre. J'ai l'impression que mon lobby n'est pas équilibré. Kalen, qui est là, bien évidemment, vous l'avez vu. Enfin bref, le lobby n'est pas du tout équilibré. C'est Antoine Daniel. Ouais, Antoine! Les participants vont maintenant s'affronter sur PUBG. Dans ce Battle Royale, jusqu'à 100 joueurs sont parachutés sur une île encerclée par une tempête meurtrière. Cette tempête progresse, réduisant toujours un peu plus l'air de jeu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques mètres carrés. Les compétiteurs peuvent choisir leur point de chute sur la map comme bon leur semble. Qu'ils décident de s'isoler pour être en sécurité, ou de forcer le combat dès le départ, c'est à eux de voir. L'épreuve se déroule sur plusieurs maps successives, le classement final sera établi en cumulant les points des compétiteurs sur chaque map. Pour encourager les compétiteurs les plus courageux et créer un peu plus de spectacle, j'ai décidé que chaque kill remporterait un nombre conséquent de points. Suffisant pour gagner quelques places au classement final. Tout ça vaut parachute, décollage immédiat. C'est pas la Zlan où on a le plus train, mais c'est la Zlan où on a peut-être le plus d'envie. C'est peut-être ce qu'on doit dire. Bon, la partie est censée commencer, mais je suis pas dedans. Ah, c'est bon, je suis dedans. Le plan, c'est de spawn là où il y a une route. Limite là, hein. Y'a personne autour, je crois, non? Y'a un mec là-haut. Y'a un mec que j'entends, je crois. Hein. Voilà! Campeur de merde! Pardon, excuse-moi. Il m'a mis trop bien, par contre. En vrai, faut que je reste dans la zone le plus longtemps possible. Y'a un mec là-haut, non? Sauter frère, c'est du jamais vu hein. Je jure que sauter c'est du jamais vu. J'ai juste joué le temps hein. J'ai pas le kill. J'ai pas le kill. Kalen qui l'a tué. Je jure que je vais pas vers le haut. J'ai pas le kill.
Trivia. Top 29, en vrai c'est ok. C'est ok. Bon, en vrai top 29, je m'en sors bien. Ouais, en vrai la première game on s'en contente. On s'en contente, c'est ok. Eh les gars, si je lâche une bombe là. Ça a pu être baisé. Mais après, ça peut niquer les adversaires. Lâche une caisse, toi. Ça va vous niquer, vous. Ouais, ça va nous niquer, nous, parce qu'on est les plus proches. Donc en vrai, c'est pas une bonne idée. Ça met une zone dans la vraie vie, genre. Oh, c'est Victor, mec. Je pense qu'on va faire ça. On va aller là-haut. Il y a encore masse monde. Là, il y a son père, là. Oh la chatte. Il y a deux gens. Mais je suis mort, en fait. On va juste spawn là. Il va se barrer. Je suis giga mort. Mais je suis mort tous les jours. Mais j'ai fait la pire game du monde. Il me faut une voiture que je me casse direct dans le sud. Il y a un mec qui y va. J'ai juste voulu lui faire peur. Vers le poteau. On gratte des places, on gratte des places. On n'a pas fait de kill, mais on est top 50. Il est en train de me dire qu'il y avait quelqu'un, à tous les coups c'est ça. Ça va commencer à être chaud. Je suis en train de faire un braquage là. Ouh. Braquage bientôt terminé. Attends, tu sais que s'il prend une balle, il explose. Hein. Une balle, il explose. Le véhicule de Loch Ness, là, c'est une seule balle. Mon rêve. Une seule balle et c'est finito pour lui. C'est finito. C'est finito. Il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il. Ok, il faut qu'il drop. Faut pas que ça explose sur lui. Ok, ça va. Oh, bien joué, ça. Bichard a vu que le véhicule fumait, du coup il lui a tiré dessus en se mettant en deuxième position. Très très bien joué. Ah oui, en deuxième. Oh. Et ouais, il s'est mis en conducteur. Ça, c'est un niveau de jeu, mon cher Zerator. Totalement. C'est du jamais vu. Pour moi, ça m'a l'air safe là. Vers le caillou là. Ouais, c'était sûr. Pour moi, ça m'a l'air safe là. Vers le caillou là. Franchement, j'ai bien arnaqué le lobby. En vrai. En vrai de vrai. J'ai arnaqué le lobby. En vrai, il savait que j'étais là, j'aurais dû le voir. Non, par où il y a... Je me suis trop décalé. Ça y est, on passe, mesdames et messieurs, à la troisième game de cette Zilan sur PUBG. Je pense, honnêtement, qu'il faut juste pas que... Il faut que je fasse une game OK. Un top 50 et je suis dans le top 30. Non, quelqu'un... Il est où, Kaylon? Il est où, Kaylon? Dites à Kaylon sur son stream de rendre ma place de 31, s'il te plaît. Ah, vous savez quoi, je vais aller voir directement. Rends ma place. Ah, on a les points, du coup. Rends ma place. Comment ça, mon ref? 31, s'il te plaît. Comment ça, mon ref? Rends ma place. Comment ça, parce que tu t'es mis numéro 31? Rends ma place. C'est bien parce que c'est toi. Hein. Merci. Ah, on a le classement de la game 2. Je suis 22e pour le moment. Juste égalité avec Moment, juste derrière Loch Ness. On va dire que là, c'est atteignable. Et ensuite, si je prends une voiture, je peux aller toute la côte là. Il y aura son père, quoi. Je regarde si ça spawn dès le début. On va essayer de spawn là-haut. Je vois personne. Hein. Il y a un mec là, non? Oui, il y a un mec là. J'espère pitié à personne. Sinon, c'est top 95, Fallalan. On est en Z là, nous! C'est Breakfast! Bon, ça, tu fais ça, t'as plus le permis. Hein. Non! C'est du RP! Y'a un policier qui me suit! C'est pas ce qu'on disait. Je me disais qu'il y avait quelqu'un là. Ne pas prendre de risques, juste rouler en fait. Ça va? Ça va? Bah, c'est Elio, forcément, il était chaud. Hein.
Top 13, top 13, c'est ok. On sécure. Ce qu'on va faire, c'est juste train un fond céleste. Parce que là, maintenant, on passe à céleste. Là, c'est une autre paire. Hein. En vrai, pour safe les pixels, il faut que je fasse un top 50. Je peux pas espérer plus que top 50, étant donné que Guile avait 41 minutes en PB. Il est top 40. Même top 50, c'est peut-être un peu abusé. Cette année, il y avait une nouveauté importante. Avec l'arrivée du superviseur, il y avait des messages qu'on pouvait laisser dans un confessionnal où l'objectif était simple, soit passer un message à un joueur, soit les adresser directement au superviseur. Et moi, vous savez, hein, dès qu'il faut faire un truc con... Et on me dit qu'on aurait un message de Bichard pour le superviseur. Montrez-nous ça en régie pour voir. Regarde-moi, superviseur, là. Regarde-moi, j'en ai fait 4, Zilan. 4. T'étais pas là? T'étais où? Cette année, elle est pour moi. Gagnant, victoire. Vous me retrouvez sur scène dimanche. Je vais gagner ton putain de jeu, mec. Allez, je me casse. Écoutez! Écoutez! Ah, il a l'air de vouloir en découdre. Il persiste et signe. Il a l'air de vouloir en découdre, hein, j'ai l'impression, Bichard. Et là, s'il fallait mieux jouer sur PUBG, cher Bichard, pour pouvoir, évidemment, accomplir ce que tu es en train de dire. Nous ne sommes qu'au premier jour, Antoine. Tout à fait. Tout est encore possible. Peut-être cache-t-il son jeu, connaissant Bichard. Je lui ai parlé tout à l'heure, il m'a dit, je vais cacher mon jeu. Bah, je pense que c'est très probable. Mais j'ai peur qu'il le cache jusqu'à la fin de la compétition. J'ai peur qu'il le cache bien trop, malheureusement. Il le cache. En vrai, il s'en est très bien sorti. Il a fait top 10, il me semble. C'est vrai. Plusieurs peut-être fois, le cache-t-il pour l'an prochain. Peut-être bien. Par contre, on m'a pouca, frère. Je vais le passer sur le stream, on m'a pouki direct. On m'a pouki direct, frère. Oh, le revoilà, lui. Il est gaillé, Bichard. Sur ton chemin, comme un oublié, car il m'a donné la lame pour les mener vers d'autres lendemains. Oh, j'ai honte. Merci. Du cœur de la vie, chanteur d'espoir, ardeur de la vie. Oh, c'est long. Oh, c'est long. Non, je continue, j'ai mais toi, c'était très cliente, ça. Moi, j'adore. Mais moi, ce que j'aimerais, moi, j'aurais voulu voir ce truc-là après les menaces qu'il faisait juste avant, tu vois. Oh, j'ai honte. Je jure que même moi, j'ai honte. Je me rappelle très bien de la réunion où quelqu'un est entré dans la salle et a dit oh, on pourrait mettre un confessionnal, un truc où les gens ils s'auto-recordent et ils font des messages. Et on a quasiment tous dit que c'était pas une idée de fou. Et là, tu sais que tous les joueurs depuis hier, ils arrivent et ils me disent j'ai trop hâte d'aller au confessionnal. Oui, bien sûr. Et on était un peu étonnés. Et là, en voyant les premiers messages, je reste mitigé. Tu vois. Ouais, oui, bah écoute. Merci les Gaïa d'avoir fait ça avec moi. Je reste voilà. Un peu mitigé. C'est évidemment incroyablement cringeos, mais c'est pas grave. Et on me dit qu'on a le classement. Allez, le classement. Je suis coupé de le moment, Fresh Fire, Kalen, David, Sankor, Toran, Lulux. Là, les gens c'est vrai qui tryhardent sur j'ai 3 pixels. Beaucoup de points. Oh, j'ai 4 pixels. Beaucoup de temps. J'y vais doucement avec les règles de cette Zilan parce qu'elle était un peu compliquée. Avec l'arrivée du superviseur, on avait une monnaie qui arrivait aussi, les pixels. Lorsqu'on se classait bien sur certains jeux, on pouvait obtenir de la monnaie, des pixels. Ces pixels pouvaient nous faciliter la tâche dans le tournoi. Quand on arrivait premier, on gagnait plein de pixels. Quand on arrivait 30e, on avait un peu de pixels. Quand on arrivait 100, 150e, ben on en avait pas beaucoup. Avec mon classement sur PUBG, j'ai eu pas mal de pixels. En tout cas, plus que beaucoup de la LAN. Pour le moment, ils sont pas utiles. Mais vous allez voir, on va pouvoir les échanger à un huissier pour changer d'équipe si on se retrouve dans une mauvaise équipe à un moment. Ou on peut même jouer à un petit jeu de loterie où on peut parier 1, 2, 3, 4 pixels avec une chance sur 3 de tripler la mise. Top 26 apparemment sur Twitter. Attends, on va confirmer ça. Top 26. J'aurais fait 131 points. C'est possible ? Il est temps de lancer l'épreuve de speedrun de cette Zilan 2024. Céleste est un jeu de plateforme indépendant assez simple sur le papier. Le joueur peut sauter, s'accrocher au mur ou dasher. Et sous ses airs innocents se cache en vérité un jeu d'une très grande difficulté et d'une richesse insoupçonnée. Il existe de très nombreuses combinaisons de mouvements complexes, créant autant de techniques à connaître et maîtriser pour être le plus rapide. Pour cette épreuve, nous allons demander aux compétiteurs de terminer le plus rapidement possible une succession de chapitres sélectionnés par mes soins. Voyons comment ils s'en sortent quand ils sont seuls face à la montagne. Pour le prochain jeu, Céleste, la tâche s'annonce plus difficile. On devait faire les chapitres de 1 à 7 le plus rapidement possible. En tout cas, ça, c'était pour l'entraînement. Pour la LAN, on devait faire les chapitres de 1 à 4 le plus rapidement possible. Céleste est un jeu très compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, la plupart des gens, on traîne plus de 100 heures au jeu. Vraiment plus de 100 heures, c'est pas une blague. Moi, je m'en sors avec 40 heures de training. Eh oui, j'ai un taf à côté, il fallait bien que... Voilà, 40 heures, c'est pas mal. Mais c'est pas assez pour maîtriser un jeu d'une telle complexité. Allez.
Derrière. Ok. J'ose pas jouer comme d'habitude. Mais c'est une blague. Et j'arrive pas. Je meurs à tous les levels. Voilà, merci à tous. Juste manqué de training, hop. Vous restez certainement dans la salle vu mon niveau de merde. Oh, je suis une merde. Allez. Allez. Juste pas que je me foire là. J'ai jamais vu mon putain de niveau. Voilà, allez. Nul à chier. C'est dingue. Enfin bref. Oh, j'ai gagné un pixel. Je suis 27ème. Ça va? Ça va? Non? 27. Ah oui, et pour vous préciser un truc par rapport au classement, on n'est pas classé par rapport à notre nombre de pixels, étant donné qu'on peut les utiliser. On est classé par rapport à notre nombre de points. On va jouer sur plusieurs jeux, que ce soit la phase 1, 2, 3, notre nombre de points est toujours cumulé. Le but, c'est de gagner le plus de points possible pour être le mieux classé. Si on est dans les derniers, à partir d'une certaine phase, on est en loser bracket. Pour le moment, je me classe 27ème au classement général, ce qui est plutôt bien. Et la prochaine épreuve est le juste prix. En tout cas, le juste prix. Sur scène, on va avoir des vitrines. Ces vitrines ont un certain prix. Le but est d'être le plus proche. Voici l'épreuve spéciale de cette Zilane 2024, le juste prise. Les compétiteurs vont se voir présenter plusieurs lots. Chacun des lots est composé de plusieurs objets. Le but est simple, il va falloir estimer le coût total de chacun des lots. Une fois que tous les compétiteurs ont donné leur estimation du coût total d'un lot, nous effectuerons un classement en fonction des écarts vis-à-vis du véritable coût. Il va sans dire que plus un joueur est proche de la somme recherchée, plus il gagne des places dans le classement. En cas d'égalité, c'est le joueur qui aura répondu le plus vite qui gagnera le plus de points au classement. Voyons si nos compétiteurs ont bien la valeur de l'argent en tête. Si t'as un objet qui vaut 1000, et ben t'as droit à 5% d'écart. 5% au-dessus du prix ou 5% sous le prix? C'était pas 5% là, faut être aussi proche. Ah ouais, faut être vraiment proche. Hein. Et nous allons découvrir cette première vitrine, Antoine. En avant Guingamp, il s'agit, messieurs, dames, de plusieurs objets de qualité exceptionnelle. Nous avons un Cookeo, une Samsung Galaxy Watch 6, une boîte à outils, la bouée licorne gigantesque, des cartes Pokémon, juste ici, last but not least, l'appareil à raclette, messieurs, dames. Attention, vous aurez 20 secondes dans 3, 2, 1, c'est parti. On va dire, allez, 567. Donnez-nous un prix en 20 secondes. Voilà, on va dire ça. Toutes celles et ceux au-dessus de 800 euros, baissez votre tablette. Ou moins de 500 euros, vous baissez votre ardoise. Oh là là, oh l'hécatombe. L'hécatombe est totale. Ah, c'est mort pour moi. Ah, c'est mort, c'est beaucoup plus. 600 euros ou moins, vous baissez votre... Let's go. Let's go. Pas dedans. Quel était le prix de cette vitrine? Le prix total de cette sublime vitrine aux articles exceptionnels était de 657 euros. Non, c'est chaud. T'as inversé les chiffres. T'as inversé. Je vais te laisser dévoiler le lot numéro 2. C'est une vitrine thématisée Zilane. Des fraises Tagada en rapport avec le jeu Céleste. Une poêle à frire. En rapport avec PUBG, vous avez une statue qui est tombée de Trindamer et de Rise. Des poulets en caoutchouc, il y en a au total 5. Nous avons un casque de motocross et nous avons des gants de conduite. Ça part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Vous avez 20 secondes. J'ai 400. 20 secondes pour estimer le prix de tous ces objets. 425, 3. Je pense que je suis un peu haut.
je suis un peu haut. Mesdames et messieurs, tous ceux qui ont une ardoise au-dessus de 500 euros, vous pouvez la baisser tout de suite. Tous ceux qui ont une ardoise en dessous de 200 euros, vous pouvez la baisser tout de suite. Ouais, non, c'est mort. C'est 300. Tous ceux qui ont au-dessus de 400, vous pouvez baisser vos ardoises. Frérot ? Le prix exact de cette vitrine était de 328. Wouhouhou ! 325, c'est incroyable ! Oh, je suis loin, je suis à 100 balles près. 100 balles, c'est loin quand même. Mesdames et messieurs, le lot numéro 3. Bonne chance à toutes et à tous. Alors, je précise quand même, ces courses ont été réalisées à l'Intermarché Montpellier-Ovalie le 7 mai. Oh, l'indice de fou. Normalement, avec ça, vous avez le prix. Ça aurait pas été à Carrefour à Paris, par exemple. Rien à voir. 232. Ouais, 232. Si vous avez moins de 100 euros, vous baissez vos ardoises. Si vous avez plus de 300 euros, vous baissez vos ardoises. 200 euros, c'est sympa. Mais si vous avez moins, vous baissez vos ardoises. Si vous êtes au-dessus de 220 euros, vous baissez vos ardoises. Mais c'est moins de 220 ? Le prix de ce lot exceptionnel vaut un total de 205 euros. Je suis tellement loin. Mesdames et messieurs, ce lot numéro 4 qui comprend certains meubles, mais pas les gens qui sont dessus. Top 20 secondes. J'ai peut-être surestimé le canapé, je pense. Si vous êtes à plus de 1000 euros, vous pouvez baisser vos ardoises. Si vous êtes au-dessus de 500 euros, vous pourrez baisser vos ardoises. Oh, je suis à 503. Ah oui. Si j'ai surestimé le truc. Oh, je me fais baiser par cette épreuve encore. Le prix de ce lot est de 368 euros, très exactement. C'est pas cher. Mais je vais acheter ce canapé, je vais l'acheter. Imaginez que vous ayez vos règles. Si vous avez vos règles, messieurs. Oh là là. Admettons. 5 culottes de règles de chez Intimi. Preuve en est, la personne à la caméra m'a dit je ne sais pas quoi filmer. Quand j'ai dit ça. Ça va mettre 88, on va mettre que c'est plus cher. Vous avez 20 secondes, c'est extrêmement facile, GG. Si vous avez mis moins de 100 euros, vous baissez vos... Wow, wow. Après, les cups, ça vaut vachement cher. J'aurais dû me coûter. C'est des trucs réutilisables pour les règles. Le prix exact de ces produits d'hygiène est de 158 euros. Félicitations. Bravo. Oh, je suis fini. Je suis centième. Je suis 150e. Oh. Mesdames et messieurs, je vous propose d'y réfléchir un petit peu à mon top. Top, c'est parti. 20 secondes pour estimer le prix de ce lot. Top, c'est parti. 20 secondes pour estimer. 1789. Non, il y a plus 300. On va mettre 1100. 1920. J'ai peut-être surestimé des trucs. Le bureau. Moins de 2500 euros, vous baissez votre tablette. Ouais, je suis loin. Ouais, je me suis fait baiser, putain. Je suis trop deg. Ça coûte cher, la vie. Ça coûte cher. Ce pack streamer by Elgato et Omen coûte la somme exacte de 3241 euros. C'est le dernier lot, mesdames et messieurs. Il y a pas mal de choses. Et c'est une vitrine thématisée sur le décor de Zerator. Ouais, la cuvette, j'ai voulu l'acheter. Je sais plus c'était combien. Top, c'est parti. Si vous avez le prix exact, vous êtes l'ultime suceur. Attention. Ouais, je suis trop loin, je pense. Ouais, je pense que c'est 400. Si vous avez moins de 500 euros, vous pouvez baisser vos ardoises. Mais quoi ? Je suis déconnecté de la réalité. Mesdames et messieurs, le prix exact était de 640 euros. Julgan ! C'est Julgan ! Julgan, bravo ! Ça m'a... Je suis abattu. Vous pensez que je suis combienième là ? Loin. Hein. Je pense que je suis 130, 140. Oh, je suis loin. Oh, je suis loin. Pitié, que mon pseudo s'affiche. 80, je suis 80. Mais comment ça, 150 balles? En vrai, je savais que les cups, ça coûtait cher. Attends, mais une culotte hygiénique, là, ça les cups. 30 balles, une. Voilà, les culottes. Il y avait pas de culottes. Il y avait des cups. Non, il y avait des culottes menstruelles. Ah, merde. J'avais pas la data. Parce que sinon, en vrai, j'étais pas mal. Parce que je savais que les cups, c'était minimum 30 balles par cup. Je savais que c'était cher. Mais le reste, je savais pas. Je viens de recevoir un message, on m'a dit. En même temps, la dernière fois que je t'ai envoyé acheter des serviettes, tu t'es trompé et t'as pris des tampons.
friendzoné. Voilà. Compétiteurs, vous voilà désormais échauffés. Nous allons pouvoir débuter la phase 2 de ce tournoi. J'ai constitué une quarantaine d'équipes de 5 joueurs. Vous allez devoir apprendre à jouer ensemble et tirer le meilleur de chacun si vous désirez progresser à l'étape suivante. Les épreuves de cette deuxième phase sont les suivantes. League of Legends, Galax et Wreckfest. Au terme de cette phase, les 70 derniers au classement général seront envoyés dans le tournoi de la seconde chance où la défaite peut devenir synonyme d'élimination. Les choses sérieuses commencent dès maintenant, alors je compte sur vous pour nous offrir le meilleur spectacle. Alors qu'on voit quelques petites images de la ligne étoile, Kenny Stream moment. Bon, une ligne de tryhard qui s'arrête dès qu'on perd des cheveux. Globalement, voilà, c'est... Le bâtard. Par équipe de 5v5, les équipes sont formées en fonction des résultats de la phase 1. Pas d'élimination, mais envoi en repêchage pour les 70 moins bons. Le prochain jeu de la compétition n'est autre que League of Legends. Les compétiteurs vont être répartis en équipe de 5 pour une partie en mode compétitif. Le mode compétitif de League of Legends, deux équipes de 5 s'affrontent sur une carte appelée la faille de l'invocateur. Chaque équipe possède une base, avec en son cœur un nexus. Le but de chaque équipe est de détruire le nexus adverse. Pour arriver jusqu'au nexus adverse, il y a trois voies différentes, protégées par des tourelles. Les joueurs vont devoir vaincre les sbires ennemis pour remporter de l'or. Avec l'or, ils peuvent acheter des objets pour devenir plus puissants, jusqu'à devenir assez forts pour détruire les tours et atteindre le nexus ennemi. Avant le lancement de la partie, chaque joueur choisit un champion différent à incarner. Chacun de ces champions possède des sorts et des capacités différentes au combat. Une fois la partie lancée, les bons joueurs devraient répartir leurs forces sur les trois voies de la map et tout faire pour détruire le nexus adverse. Voyons comment nos compétiteurs vont s'en sortir avec des années de fortune. Pour la phase 2, nous allons jouer sur 3 jeux en équipe. On va devoir se débrouiller sur League of Legends, Wreckfest et Galax. On passe au premier jeu, League of Legends, en 5 contre 5, dans le mode de jeu de base. Notre objectif est tout simplement de détruire le cœur adverse. Bon, je pense que normalement ça devrait bien se passer. Pourquoi ? Bon, vous avez tous déjà joué à LoL déjà. Oui. Alors oui, mais je suis pas au niveau quoi. C'est quoi ton niveau ? Moi c'est Diamant. Richard, tu cliques ? Je suis pas ranké, mais Blazix m'a dit j'avais un niveau low gold. Ça va, mieux que moi. Attends, Bichard ! Quoi ? Viens, on se réunit, on discute, tu sais, en face à face, en pim bam boum, qu'est-ce qu'on fait hein? Ouais, mais il faudrait qu'on se mette juste devant un PC pour que les gens ils nous entendent, non? Moi, je te propose pour le stream qu'on se réunisse tous, on fait une strat, on casse des culs. Ça, c'est bon pour le stream. Je crois qu'ils seront 4 en face. Pourquoi? Parce que Avada dit que son PC est mort. Bah non, mais du coup, ils ont dit que si on est en compte 4, il y en a un qui joue pas du coup dans la team de 5. Je pense que je suis le plus nul du lobby. On est là pour s'amuser. Oui, bien sûr, mais moi j'aurais kiffé jouer, mais je peux pas. Moi, si tu veux, je te laisse ma place. Non. Avant tout, c'est une LAN, c'est fait pour s'amuser. Mais t'inquiète, je te laisse ma place. Bob, merci, mais j'ai fait 4 Zilan. J'ai eu le temps de m'amuser, Bob. Donc, tu vas prendre ton cul et tu vas te join sur la putain de League of Legends. Tu me parles hyper mal, Bichard, mais défoncer ta gueule, attention. Excuse-moi. Tu prends ton cul, tes clics et tes claques, et tu join cette putain de game de LOL, et tu la gagnes. Parce que si tu la gagnes pas, et ben je vais t'en vouloir, ok? Malheureusement, l'équipe en face de nous avait un joueur qui ne pouvait pas jouer. Ainsi, on devait choisir un joueur dans notre équipe qui ne jouerait pas. Étant donné que j'étais le joueur le plus faible de mon équipe à League of Legends, je décide de les laisser jouer. On peut pas rester jusqu'à 5h du mat, on se tartine le fion, là. Ah mais... Ça fait une BO3 au moins. Bon, du coup les amis, vous avez très bien vu que je leur laisse la main de Malan entre leurs mains, enfin le destin de Malan. Du coup je me retrouve à commenter une game de LOL alors que j'y connais rien à LOL. Alors les amis, je vous donne juste un petit mot d'encouragement. Je suis nul à chier, je vous en voudrais pas si voilà. Mais je pense que vous êtes les boss et non, je crois en vous. T'inquiète, on va la gagner mon pote. Vas-y j'arrive, c'est pas grave si tu prends ton passif. Ouais, mais je le tue, je le laisse, Zach. Hein. Magnifique, Zach. C'est ça qu'on veut, putain. Mais il faut leur montrer, maintenant, ils ont voulu. J'arrive. Désolé, mec. Pas loin. Ça tue. Tu peux le stun? Ouais, c'est bon, ils l'ont. C'est ça que tu veux? Flash. Hyper stylé, Bob le Gob, par contre. Ouais, on est en train de faire le Drake, tu veux venir avec nous? C'est là, aucune possibilité de fuite, c'est pas mal. Ouais, mais il parle bien. Il parle bien. Attends. Prends tes blobs et essaie de pas mourir. Je suis derrière. Tu meurs pas. Elle va prendre Kha'Zix au cul, hein. Comment il savait qu'il ne mourrait pas? Oh, il est trop chaud, frère. Mais il est trop chaud. Là. Akure, il est trop chaud. Il joue avec 0 HP. Ça met bien. Okay, là, ça met bien, là. Là, tu viendras au mid pour récupérer l'argent de mes plaques aussi. Ouais, t'inquiète, je vais. On fait pas les prétentions, on respecte, hein. Si on peut gagner en 20 minutes, on gagne en 20 minutes, hein. On joue pas avec la nourriture, hein.
Oui, Shen. Shen. Allez. Oh oui, j'ai pu avoir 3, j'ai pu avoir mes 300, mes 350 gold. Ouh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Aïe, tu t'es mal fait ou pas? On se le fait, il a flash le Kha'Zix. Il est trop fort, mais c'est quoi? Oh non, j'ai raté. Je viens avec l'Herald et on va finir, je pense. Ouais, go Herald. Allez, bien joué. Je pars en passif, c'est pas grave. Mal joué. C'est bon, y'a plus de tour. Oh non, mais attends, mais c'est win. Ils ont pas trop de quoi jouer là, hein. Les gars. C'est tout droit, défoncez-le! Allez-y! Allez, c'est bon! Et c'est oui! Allez! Oh allez, bravo! Bravo! On a en fait pu jouer un jeu de malfois, quoi! Vous êtes trop forts, les gars! 20 minutes! Allez, au suivant! Bravo, les gars! Ouais. Parce que j'ai rien fait, vraiment bravo! Moi, je vous le dis. Donc, demain, on joue deux jeux, Kha'Lax, UrFest, et ensuite, il y a le premier Loser Bracket. Regardez ce que le superviseur, il m'a dit, les gars! J'ai parlé à un beau superviseur en DM, parce que je m'entends très bien avec lui, que c'est mon pote. Je suis infirmier, je te ramène plein de Doliprane, c'est combien de pixels? Il m'a dit, tu ferais mieux de les garder, tu risques d'en avoir besoin demain, quand je vais commencer à vous dévoiler ce que j'ai en réserve pour vous. Elle commence à devenir intéressante, cette LAN. Bon, le récap, top 26 sur PUBG, c'est un miracle. Ouais, je le dis. Top 95 sur Céleste, c'était de la merde. Juste prix, top 81, c'est OK. Les amis, ce qu'on fait, c'est que demain, on se retrouve pour le jour 2 de la ZLAN. Le jour où on va essayer d'aller le plus loin possible. On rappelle que la fin de la deuxième phase, là, il y en a 70 qui seront au loser bracket. Notre objectif, c'est déjà de ne pas être dans ces 70. Et ensuite, on verra comment ça se passe. Bonne nuit, allez vous coucher. Je vais y aller aussi. C'était Biche Biche. Et rendez-vous demain pour le deuxième jour de la ZLAN. Bisous tout le monde. Debout là-dedans, mesdames et messieurs. ZLAN, jour 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce... J'espère que vous allez bien, le chat, c'est Biche Biche, on se retrouve pour le deuxième jour de ZLAN. Oui, insane, cette intro elle est insane, vous trouvez pas? On a le classement général, il me semble, qui va pop. Le classement général en points et en pixels, évidemment on ne classe pas uniquement en pixels, puisque les pixels on peut les dépenser, donc on peut pas faire un classement général juste en pixels. Je me permets juste de vous dire, les gars, on a eu un message de la part du superviseur là dans la matinée qui nous a bien incité à dépenser nos pixels parce qu'ils ne serviront à rien demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on les dépense. Ça ne servira pas à passer une phase. Il nous a vraiment dit ça. Et l'huissier nous a rappelé que pour 15 pixels, on a la possibilité de changer d'équipe à tout moment de la compétition. L'admin m'a bien confirmé que quand tu changes d'équipe, tu choisis le joueur avec qui tu veux changer. Mais c'est OP! Avec tes petites papates là qui ressemblent à de God Michet, tu cours de partout, hein. Ah mais regarde-moi ces persos quoi. Enfin, je suis désolé, j'ai l'esprit mal tourné. Y'a que moi qui ai l'esprit mal tourné. Vous jouez des flubbers hydrocéphales avec des tubs en guise de bras et de jambes. C'est ça. Il est temps pour nos compétiteurs de relever leurs manches et sortir la boîte à outils. La prochaine épreuve est Kha'Lax. Dans Kha'Lax, le but du jeu est de travailler en équipe pour construire des meubles en suivant les instructions de montage générées aléatoirement. Les compétiteurs vont s'affronter sur une map avancée du jeu avec des règles supplémentaires. Sur celle-ci, un petit train progresse sur des rails incomplets. Si le train dépasse la voie, la partie s'arrête. Les participants vont donc devoir construire des meubles, oui, mais également des rails pour entretenir la voie de chemin de fer. Voyons s'ils sont capables de travailler en équipe en étant mis autant sous pression. On se retrouve pour le deuxième jour de cette ZLAN et on est toujours dans la phase 2. Pour Kha'Lax, mon ressenti était plutôt OK. Dans mon équipe, il y avait un joueur qui gérait plutôt bien les rails, qui a rapporté le plus de points. Moi aussi, je les gérais plutôt bien, mais vu la confiance qu'il avait, je préfère le laisser jouer. Et dans la deuxième partie de mon équipe, on avait des joueurs qui savaient plutôt bien faire les objets, que je ne savais pas du tout maîtriser. Étant donné qu'il y avait un joueur qui gérait plutôt bien les rails, j'avais pas forcément besoin de l'aider. Quand t'es tout seul sur les rails, ça suffit largement. Du coup, je devais aider sur les objets. Mais étant donné que les objets, je les avais pas appris parce que la seule chose qu'il fallait apprendre, c'était les rails, et ben, je me suis retrouvé dans la situation où je devais faire des objets que je ne savais pas faire. Écoute, moi je suis calé, j'ai la bière, bon elle est pas fantastique. Hein. La mienne elle est plutôt bien mauvaise, mon ami belge, que bonne. Hein, elles sont dégueulasses. T'adores Kha'Lax ? Suceur à ma gauche ! Mesdames et messieurs, ces deux hommes venus de Belgique pratiquent les ateliers de fellation directement ici. Non mais il boit une bière, donc ça devrait le faire. Non mais il boit vraiment une bière. C'est... Voilà. Ah oui, voilà. Il a à côté de moi, il a distribué Bob, des bières à côté. Hein. Bob doit garder une bière pour l'admin. C'est qu'il a une bouteille aussi de vin, je crois. Non mais c'est pas hier, il a... C'est pas possible, ça.
Compétiteurs, ne perdons pas de temps et lançons immédiatement la première enchère de la journée sur Kallax. Pour cette enchère, le joueur qui aura investi le plus de pixels bénéficiera d'un avantage de 15 secondes d'avance pour lui et son équipe par rapport à toutes les autres participantes de la Zilad. J'enchère à 1 pixel. Ah bah non, bah non. Il y en a beaucoup. Mais 7 pixels, c'est énorme. Pour 15 secondes. 8 pixels, la matraque, hein. Non mais je te jure, il y en a qui sucent pour moi, hein. Non mais... moi j'ai séqué Lyodard, hein, pour 3 pixels, il passe le bureau. Hein. T'as bien fait la sur direct, hein. Allez, Lyodard, sous le bureau, 2 pixels, 2. Alors, du coup, Bob, l'admin est venu me voir pour dire que tu n'avais pas le droit de nous donner des informations. Je lui ai dit que tu avais une bière à la main et il a dit, si Moll en a une, pour moi, il peut. Je m'en bats les couilles, j'ai envie de vous donner des infos, je vous donne des infos. De toute façon, il ne le verra pas. Non, si, si. Quelle info tu que je te donne? Oh, pas fou. Je te dis quoi? Attention, ton petit bonhomme, il bouge les bras, il n'a pas de bras. Enlève tes lunettes, tu verras mieux. Lâchez-moi. Oh regardez, je suis un superviseur avec ma cagoule. Là tu as un big super guignol surtout. Bichard le super guignol. Pas mal. Tous faire prêt. Encore prêt. Ok, bon, on a perdu un peu de temps. Allez les gars, 0-1-1. Allez, faites-moi le plus traîne du monde. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon, j'ai ça. J'ai le tordu, le pistolet là, la tête, tout est en haut. Enfin, il y en a 3 en haut. Non, mais là, t'as pas fait l'inverse là? Mais non, j'ai mis droit. Droit à gauche. Là, tu l'as mis à droite, non? Ah, mais tu. Ok, tu parles de ce sens là. Ah oui, bah okay. Le sens de la gauche quoi. C'est comme ton bras gauche quoi. C'est le violet. Non, et c'est le rouge. Le rouge, pardon, c'est le rouge, après c'est le jaune. J'ai dit droit pistolet. La main, le crochet c'était où? Ça baisse pas les rotos. Les bras c'était la quoi tête, ça baisse les rotos. J'ai dit à gauche c'est le. Donc là le truc qui est. Non, pas là, du coup c'est l'autre côté. À gauche c'est le. Putain, ça me casse les. Le crochet? Non, c'est la pince? J'ai dit le pistolet, j'ai dit. Comme ça? Là, c'est pas pixel pixel, vas-y, valide. Trop what the fuck. Mais comment tu fais pour le mettre directement? Du coup c'était quoi le dernier? 23, c'est bon, lance-le en fait. Là il faut se faire ça, mais ça est bon. Putain! Ça est bon. 28! Bravo! Pas trop mal, c'est pas trop mal les gars, bravo! En vrai, on est pas mal, j'ai deux pauvres à côté de moi, en vrai, c'est pas mal. C'est pour savoir si je dois crier comme un débile. Tu peux crier mitigé. Ah, moi, côté, c'est 3500. On est milieu de screen, je pense, parce que on a perdu du temps, on a vendu deux trucs à un moment, on a fait des erreurs, je ne sais pas comment. Ok, il y a classement. Bon, on est jamais pas là. Dans les premiers. Voilà. Bah, c'est normal, hein. Ok, et... on est 24ème sur 40. Okay. Ah, c'est pas fou, quoi. C'est moyen. Ouais. Classement général. Top 40. Classement là. Moi, je suis top 40. Attention, il va y avoir de la casse. La prochaine épreuve va se jouer sur Wreckfest. Un jeu de course où terminer premier revient plus souvent à emboutir les adversaires qu'à traverser la ligne d'arrivée. Dans le match à venir, les compétiteurs vont s'affronter dans le mode Banger Race. Dans celui-ci, ils remportent des points pour chaque dégât occasionné au véhicule adverse. Il va donc falloir prendre un maximum de risques, et ce serait dommage de mettre hors service son propre véhicule en voulant détruire celui d'un adversaire. Vous allez comprendre pourquoi le port de la ceinture est obligatoire. Pour le troisième jeu, Wreckfest, toujours en équipe de 5, à 10 joueurs, sur 3 maps, notre objectif est de finir dans les meilleurs classements. Pour faire simple, si je finis premier et que mon équipe fait 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, on additionne tous ces classements, on fait la moyenne des classements. Si la moyenne est supérieure à la moyenne de l'autre équipe, on gagne. Notre objectif est simple, essayer de rouler mieux que les autres. Je lance ? Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Bon là le but c'est si vous êtes dernier, tu prends les trucs à contresens et... Ouais, ils sont là n'hésitez pas à utiliser les autres pour faire votre virage sauf nous. Heureusement que vous avez dit sauf nous. En fait ils ont deux casseurs. Gap c'est un casseur. Ok, oh là là. Doit m'exploser. C'est pas grave. Ok, j'ai la vie de Dwag est explosée. Normalement lui je l'ai posé. Ouais. Voilà. Fais gaffe. À votre service. Bien. Excellent. J'ai défoncé, hein. Excellent. J'ai défoncé, on continue. J'ai 31 points de vie, je peux lui en coller une, hein. En fait c'est power sauf s'il n'y a pas une. Ouais. Excellent. Je sens qu'il a pris cher. Excellent. C'est bien. Vas-y. Je suis premier. Regarde Bichard, j'arrive en. Regarde Bichard, je suis à gauche. Bon, je suis premier. Top 3. Allez, vas-y. Je suis premier. Allez. Ok, on a top 2, c'est bien. Ouais, mais après, ils sont tous là. 7, 8, 10. Ouais, c'est pas fou. Hein. Mais là, on a, en termes de placement de course, on a perdu d'un point. Allez, okay, je suis tout devant, donc fais gaffe, Bob, on va se prendre tout le monde. Hein. Ok. Bravo.
Ok, t'es tout seul devant Bichard. Y'a Shaun juste derrière moi. Ok. Il m'a explosé. On a même mes one shot, je sais pas si quelqu'un pourra le. J'ai une chose. Bien vu. J'ai besoin d'aide pour me relever, allez d'art. Il sur carré. Allez d'art. Bichard. Prends un contresens. Ça marche, je vais le prendre. Oula, la bombe. Dommage. Les gars, si vous. Bah, si Neyman finit, c'est compliqué. Ah, Neyman il finit pas 3ème, c'est bien. Si le looper t'arrive à le passer devant, c'est cool. C'est bon, on a 2ème place et 3ème place. Ouais, mais on a 9 et 10 aussi. On a 9 et 10. Mais ouais, non, c'est. Non, c'est loose, hein, je vous le dis. Oui, en vrai, tant que je suis dans le top 128, c'est ok. Mais bon, je vais avoir un seeding de merde pour les trucs d'après. J'ai pas de pixels pour pouvoir acheter éventuellement des améliorations ou quoi que ce soit. Enfin bref, en tout cas, ça me met dans la merde pour la suite de la compétition. Malheureusement, Bob le Gob a mal compris les règles. Il pensait que en fonçant sur les autres joueurs, il allait pouvoir gagner des points. Sauf que non, Bob le Gob. Il fallait juste rouler mieux que les autres. Ainsi, sur les deux maps qu'on fait, on perd deux fois à un seul point. Il fallait qu'un seul de nos joueurs soit mieux classé qu'un seul de leurs joueurs. Si Bob le Gob faisait 9ème ou le 10ème, c'était bon. Si je faisais premier sur une map ou le 2ème, c'était bon. Son rêve, son espoir. Mais Bob le ralentit, un handicap trop lourd. Les étoiles s'éloignent, mes rêves deviennent sourds. Sur ce lest, il chute. La montagne est trop haute, les obstacles le brisent. Il se sent si faible, Golem le regarde. Déçu par tant de fautes, le cœur de Bichard se serre. Ils sont dans la brume. Oh Bichard, le courage dans les yeux. La chance ne sourit pas toujours aux audacieux. Placé à Aérombris, ils sont les élus. Et toi, tu restes seul avec tes rêves déchus. L'estime s'éteigne, la communauté s'en va. Vers ceux qui triomphent, les sans Bichard là. Il voit ses espoirs partir, une étoile qui meurt. Chaque soir il pleure, seul avec ses peurs. Sur ce lest il chute, la montagne est trop haute, les obstacles brisent. Il se sent si faible, Golem le regarde. Déçu par tant de fautes, le cœur de Bichard se serre. Ils sont dans la brume. Oh Bichard, le courage dans les yeux. Mais la chance ne sourit pas toujours aux audacieux. Placé à Aérombris, ils sont les élus. Et toi, tu restes seul avec tes rêves déchus. Il rêve de revanche d'un jour où il triompha. Mais ce soir, il est seul, son cœur en mémoire. Les larmes coulent doucement, un espoir qui se fane. Il reste dans l'ombre, un joueur sans flamme. Oh Bichard, le courage dans les yeux, mais la chance ne sourit pas toujours aux audacieux. Placé à Aérombris, ils sont les élus. Et toi, tu restes seul avec tes rêves déchus. Bichard, n'abandonne pas, ton heure viendra. Les étoiles peuvent encore briller pour toi. Un jour, les larmes s'échangent, le sourire reviendra. Et dans l'arène des jeux, tu triompheras. Ça va, Bichard, on s'en sort? Non, si, en vrai. On s'en sort pas. Rien d'important. Vas-y, mets dedans. Oh putain, c'est en plus, c'est passé à la cam. Désolé. En parlant voilà. De vidéo, y'a pas des confessionnals, là, les trucs comme ça? Voilà, Bichard qui dit je peux rechanter si vous voulez. Non, peut-être pas. Non, je pense qu'au niveau humiliation, on est déjà pas mal là. Ouais, non, clairement, ça va être un petit peu compliqué. Mais... J'ai l'impression qu'il veut pas que je rechante. Hein. Compétiteur, nous sommes sur le point d'entamer la 3ème phase de la Zilan 2024. Le tournoi est désormais divisé en deux branches,
le tournoi principal et le tournoi de la seconde chance. Pour les participants du tournoi principal, je vous ai répartis en duo, en fonction de votre position dans le classement général jusqu'à maintenant. Vous découvrirez le nom de votre coéquipière ou coéquipier dans quelques instants. Ensemble, vous devrez donner le meilleur de vous-même sur les jeux suivants, PUBG et StarCraft. Au terme de ces deux épreuves, les 64 derniers au classement général rejoindront le tournoi de la seconde chance. La pression monte d'un cran. Voyons qui va craquer. Mais quoi ? Mais quoi ? On va découvrir les deux jeux sur lesquels ils vont jouer. PUBG et StarCraft. J'ai entendu. Évidemment. Mec, je mets tous mes pixels pour jouer avec Moment. On va m'afficher les équipes. Je crois qu'il y a des duos qui ont été formés. Alors les joueurs les ont déjà évidemment. Ah. Donc oh là là, la team Kalen Crocodile. Une des équipes qui est moins favori. Bien. Avec qui ? Veinar. Excuse-moi, ouais. Comment tu l'as noté ? Je l'avais. Veinar, c'est qui Veinar ? Ok, ça reste entre nous les amis. Regardez-moi. J'ai 15 pixels à balancer, ok? Le changement d'équipe, il a 15 pixels. Je change avec Julgan et je me mets dans l'équipe de Moment. Bah, Moment, il est bon, il est excellent sur StarCraft et il est je pense qu'il est 1v2 sur StarCraft. D'autres vont le faire, il faut que je le fasse avant, c'est tout. Mais j'ai que 14 pixels. Oh non, j'en ai que 14. Et qu'est-ce qui permet de faire le mec de l'échange, là? Y a pas un truc de doubler la mise? Je mise un pixel. Si je mise un pixel et que je double ma mise, ça passe, non? Ok, écoutez, je vais essayer. Vous savez quoi, je vais essayer. Pour la phase 3, le superviseur annonce les jeux suivants, PUBG à nouveau et StarCraft. Un seul joueur dans toute la LAN est assez fort aux deux jeux pour me permettre d'être dans le top du classement. Moment. Moment a été mis en team avec Julgan, lié à un seeding. Pour faire simple, tu te retrouvais avec le joueur qui était à côté de toi dans le classement. Le premier et le deuxième ensemble, le troisième et le quatrième. Donc j'étais à une place et je me suis retrouvé avec le mec qui était en dessous de moi. Le problème, c'est qu'en allant regarder la carte de ce joueur, je voyais que sur PUBG, il était pas confiant et que sur StarCraft, il avait tout simplement jamais lancé. Bref, la suite de la compétition s'annonçait pas foufou pour moi. Et c'est là où interviennent les pixels. L'huissier permet d'échanger pour 15 pixels de place avec un autre joueur. Si je me retrouve avec un joueur et que je switch avec un autre joueur, je me retrouverai dans la team avec le joueur avec qui se retrouvait ce joueur. C'est très compliqué. Si je switch ma place avec Julgan, je me retrouve en team avec Moment, et ainsi, je me retrouve dans la meilleure des situations. Le problème, c'est que je n'ai que 14 pixels. Et c'est là où l'huissier a un rôle très important. L'huissier a un rôle un peu de loterie, dans le sens où je peux parier le nombre de pixels que je veux une seule fois dans toute la ZLAN. Ainsi, j'ai une chance sur 3 de tripler ma mise. Alors, je sais pas du tout si on me voit. Salut tout le monde, Veinar. Donc, j'ai été sélectionné pour jouer avec Bichard. Malheureusement, je suis très nul à PUBG. Je pense que je vais être un boulet, malheureusement. Après, je peux mettre des têtes des fois au snipe sur PUBG, mais sinon, je suis désolé pour Bichard. Ouais, il est allé à l'huissier, mais ça lui en manque un. Ah, ok. Hein, bah, je peux lui passer, hein, sincèrement. Attendez, je vais voir si j'avais à le trouver. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo de ce moment, mais je peux vous le résumer très simplement. Le monteur se chargera de faire un paint de la meilleure des manières. Hein ? Je me retrouve face à l'huissier. Avec 3 cartes à choisir, je parie 2 pixels. Le joueur derrière moi, dans la file d'attente, demande s'il peut changer avec Moment. Ce à quoi je lui dis, attends, je parie mes 2 pixels. Si je gagne, j'échange pour être dans la team avec Moment. Si je perds, tu es derrière moi, donc tu pourras prendre cette place. Ainsi, comme j'ai pas du tout confiance en moi et que je suis une grosse merde, je dis à ce joueur, bah tiens, pour encore plus créer le karma, choisis l'une des cartes qui est devant moi, et peut-être que j'aurai celle qui est gagnante, et sinon, j'aurai peut-être l'une des 2 cartes perdantes, et dans ce cas, ça t'arrangera. Le joueur pioche, et c'est une carte verte. Ainsi, je gagne et je triple ma mise. Je passe de 14 pixels, 2, 4, 16, 18, à 18 pixels. Ainsi, je demande à changer avec Julgan, et je me retrouve dans la team de Moment. Et ce que je n'avais pas prévu était terrible. J'ai gagné ! 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 J'ai parié ! J'ai parié 2 pixels ! J'ai triplé ma mise ! Je te jure, c'est vrai ! Et j'ai pris ! J'ai changé avec Julgan, je suis dans la team de Moment maintenant ! Oh là là ! Oh là là ! Oui, je suis désolé, mon frère. Mais non, je me suis présenté. Je suis désolé. Je suis désolé. J'espère que c'était le move de l'année. A few moments later. J'ai switch avec le mate de Moment, sauf qu'il y a des gens qui ont été du coup au courant. Parce que bah je l'ai cliqué dans toute la LAN aussi, j'ai été con. Il y a un mec qui veut switch avec Moment pour que son mate se retrouve avec Moment. Le mate de Kenny, par exemple, qui est un no-name. Si Kenny lui dit, s'il te plaît, je te passe 15 pixels, tu changes avec Moment pour que je me retrouve avec Moment. Et ben ils peuvent. Je me suis peut-être fait baiser dans l'histoire. En fait, ce que j'ai mal fait, c'est que j'ai pas parlé un moment avant de swap. J'ai juste imposé mon swap normal. Du coup, Moment, il était un peu en mode là, je t'aime bien, mais c'est pas cool.
ce qui est vrai, tu vois. Mais par contre, il a dit, c'est hyper smart, par contre. Et lui, il a dit, je changerai pas pour, je dépenserai pas 15 pixels pour changer, tu vois. C'est ça ? Ok, c'est les nouvelles équipes validées. Je vois DFG Moment Team 3. Donc c'est effectivement les nouvelles équipes. Donc Khaled Lockness. Je me suis fait baiser. Et du coup, le mec de DFG a swap avec... Mais c'est une dinguerie. Donc là, je vais jouer avec celui qui m'a baisé. C'est ça l'histoire. C'est que je vais jouer avec celui qui m'a baisé. Tu veux que je lui dise quoi au mec ? Je vais l'insulter. Si je m'envoie qu'avec lui, je vais vraiment l'insulter. Je crois qu'on a des vidéos confessionnales. OMG le confessionnal. Vas-y, montre-moi ça pour voir. Vas-y. Bonjour, bonsoir. Il se passe des choses bizarres dans cette Zealand. Là, je vais vous dire que cette phase 3, c'est ma phase 3, puisque c'est PUBG StarCraft. Le problème, c'est que toute la LAN veut m'acheter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a qui sont venus me chercher, ils étaient tous autour de moi, c'était incroyable et tout. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un joueur qui est arrivé directement sur le dossier et qui m'a acheté pour 15 pixels. Il me l'a pas dit, il m'a rien dit. Je ne dirai pas le nom, parce qu'après on va dire que je suis raciste, alors que je ne suis pas raciste, ok ? Donc le problème, c'est ce qui va se passer. C'est que là, je vais payer ma place pour jouer avec quelqu'un d'autre. Ciao ! Mais je comprends pas. Les deux prochains jeux ont été annoncés. PUBG, StarCraft, il y a un seul joueur dans toute la Z-LAN qui est fort à ces deux jeux. C'est un mec barbu, je peux pas dire son nom. En tout cas, j'ai échangé 15 pixels pour être dans sa team. Je l'ai. J'en peux plus des deux, j'en peux plus. Attends, qu'est-ce qu'il est raciste, maman, c'est vraiment, c'est une dinguerie. C'est vrai, hein, c'est le raciste of all time, hein, le rot, tout simplement. C'est horriblement laid. Bah en fait, DFG est venu en ton nom demander le changement. Ok. Voilà. Ah bon ? Ouais, et sauf que normalement, c'est pas possible, c'est à toi d'aller voir le Lucie, sauf que il soit en retard et du coup, ils ont dit bah on bloque comme ça et tant pis quoi. Du coup, bah okay. C'est pas grave. C'est une dinguerie qui s'est passé. C'est une dinguerie. Bon, du coup, t'es comment sur PUBG ? Et sur StarCraft ? Moi, je suis milieu de tableau, hein. Et ben, écoute, on va drop. On va drop là, ça te va ? Ok. Vas-y, go. Y'a des gens à côté de nous ou pas ? Non. Non, on est tout seul. Personne. NF. Ouais, y'a personne. Ben, va dans la grande maison là. Mais t'inquiète, XM Cousin, j'ai rien contre toi, mon frère. Hein. Ok. Non mais t'inquiète, c'est la LAN et c'est tout, c'est juste que les admins ont mal géré ça parce que eux-mêmes avaient pas prévu ce qui allait se passer. C'est quelle figure, ouais, non, je comprends. Et voilà, et DF a fait le changement en comme ça, tu vois. XM Crew, tu dois croire que je suis pas content d'être avec toi alors que je te promets que ça va. Hein. Y'a un mec Non, c'est micro d'un autre. C'est micro d'un autre. Faut qu'on bouge vers là-haut, hein. Vas-y. Y'a un mec là à gauche. Devant. Ah, je suis à terre. Ah, y'a qu'une seule game de PUBG ? Ah bah voilà, fin de LAN. C'est vraiment fin de LAN, je suis mort. On voit du haut Nutrem 83. C'est quoi la limite ? C'est 64, c'est mort. J'ai 19 places à bouffer, frère. C'est impossible. Compétiteur, écoutez-moi bien. J'ai une nouvelle enchère très particulière à vous proposer. En effet, cette enchère est collective à tous les participants de la Zealand encore en lice. Le prochain jeu n'est autre que StarCraft. Je sais que vous avez particulièrement hâte de montrer vos talents de stratège sur ce jeu et que vous vous êtes tous énormément entraînés pour cet instant. Ceci étant, je vous propose de remplacer l'épreuve de StarCraft par une épreuve de Trials Rising. Chacun d'entre vous va pouvoir investir des pixels dans un jeu ou dans l'autre depuis son espace joueur. À l'issue de cette enchère, le jeu qui aura le plus de pixels sera celui sur lequel vous jouerez pour la prochaine épreuve. Voyons ce que vous allez choisir. Le plot twist de cette Zealand. Mon classement sur PUBG n'est pas au top. J'ai été éliminé très très rapidement. À ce moment-là de la LAN, je sais que je suis au-delà du top 64 qui est nécessaire pour pouvoir passer à la suite de la compétition. Si je reste au-dessus du top 64, je vais en loser bracket. Clairement, je veux l'éviter. Et le plot twist, c'est que le superviseur nous propose de faire un choix. Trial ou StarCraft ? Clairement, je suis beaucoup plus confiant sur Trial. De ce que je sais, mon mate se débrouille pas mal aussi. Et comme je pense que tout le monde va voter Trials, et qu'à ce moment-là, je n'ai plus de pixels, et ben j'ai tout simplement décidé de ne pas voter. Donc c'est parti pour le vote. Vous aurez une minute dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Vous pouvez miser vos pixels sur l'intranet de la Zealand. Je laisse les gens miser pour moi. Je ne mise rien. Ouais ! Et c'est Trials qui prend la tête. Attendez. Il prend la tête pour l'instant. Et oui, 499 pixels face à 213 pour StarCraft. Et au final, ça passe quand même. C'est Trials qui est sélectionné. Là, mon objectif est simple. Il y a 4 équipes dans ma poule. Le but, c'est de faire top 1. Si on fait top 1, on rapportera le plus de points possible. Et peut-être qu'on pourra atteindre le top 64. L'épreuve suivante de la Zealand se joue sur Trials Rising.
Il s'agit d'un jeu de course et d'obstacles qui demande une dextérité sans pareil. Les compétiteurs doivent gérer leur vitesse et la répartition de leur poids pour franchir les nombreuses embûches sur la route. La moindre chute renvoie le pilote en arrière et coûte donc un temps précieux. Les participants gagnent des points en fonction de leur classement à la fin de la course. Pour cette étape, les compétiteurs seront en équipe de deux. Nous additionnerons les points de chaque duo pour déterminer les vainqueurs de l'épreuve. J'espère que nos compétiteurs ont l'estomac bien accroché. XM Cous, on peut pas se permettre de faire autre chose que toi, par mec. Ouais, j'ai tout donné. Premier point. Allez. Ok, XM Cous, excellent, mec. Excellent. T'es chaud, t'es chaud. Ça va le faire. Yes! C'est bien, XM Cous, c'est bien! T'es trop chaud, mec! Merci, faut continuer, man. Mec, mec, tu vas faire from top 129 tout, on passe à la phase 2, ok? Excellent! On continue! On lâche rien! Oh là là! On lâche rien, on lâche rien. C'est ok, XM Cous, c'est ok, c'est très bien. Ouais, j'ai choqué un PB. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est une. Tu finis 7, tu prends les points quand même. Ok, c'est très bien. Ok, ok. Tu safe le truc, tu prends quand même des points, ok. Bien, moi aussi, c'est pas ma meilleure, j'ai rose fail aussi. Allez. T'es monstrueux, XM Cous, ok? T'es monstrueux, mec. C'est bien, en plus, c'est bien, tu finis premier, tu prends masse points, là. Mec, dans le chat, ils sont tous en mode XM Cous, le GOAT, duo de GOAT et tout. Franchement, ils te kiffent, ils t'adorent. Aucun stress, mec. T'es trop fort, XM Cous, t'es trop fort. Même quand je le choque, c'est toi qui arrive, frère. C'est bien, mec. On garde les points. Mec, t'es trop fort. C'est pas grave. T'es laissé passer devant moi. Là, y'a un peu de smart. Y'a un peu de smart. Je voulais qu'il chope plus de points. C'est mec, mais t'es une légende, XM Cous, en fait. T'es une légende. Je l'ai mis à la fin. Dommage. Oh là là. Top 129 Zilan, mais en fait, c'est le top 1 trials, mec. C'est un meilleur mate que Moment. C'est trop fort. En fait, c'est moi le plus nul. Mon mate Macari. Voilà, c'est ça la vérité. Mec, t'es le go de GG XM Cous. Normalement, on est premier. Merci. On fait 109 plus 99. Ça fait 208. GG. Parfait. GG, t'es trop chaud, mec. GG. On fait premier, GG à toi. T'étais vraiment un crack, mec. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à prier, les amis. Il n'y a plus qu'à prier que ce soit suffisant. Mon sort est scellé, on finit premier de Trials. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour passer au-delà du top 64 et éviter le loser bracket? Vous savez quoi? C'est le superviseur qui va dire. Les joueurs qui vont être cités sont ceux qui sont présents dans le loser bracket. J'espère que mon nom n'est pas dedans. Allez-y, cher superviseur, vous pouvez donner les noms de ceux qui partent en repêchage. Angle droit, Arturite, dégoûté, Bichard, Blazix, Blokizix, Pikaito, Chaussette Sox. Le repêchage, ça va être dur, les gars. Y'a que 16 personnes qui sortent du repêchage. Ouais, merci, XM Cous. À toutes. Dimanche bon, bah, on a essayé, hein. On aura essayé, merci. Allez. Encore. Bon courage, hein. Malheureusement, ça ne passe pas. Je vais en loser bracket. Mais rien n'est perdu. Si je me classe assez bien dans le loser bracket, je pourrais remonter dans le tournoi principal. Mais ça va dépendre des jeux. Quel est le premier jeu du loser bracket? Pour ces nouvelles épreuves, j'ai constitué de nouveaux duos. Je renforce votre score au classement général jusqu'ici. En effet, vous allez jouer ensemble sur League of Legends en mode arena. C'est Céleste. C'est Céleste en repêchage. C'est Céleste. Après ça, les défaites seront éliminatoires. C'est Céleste. Seuls 16 participants du tournoi de la seconde chance auront la chance c'est de faire le tournoi principal. C'est FF. Les prochaines phases de jeu. 32 qui se qualifient, les amis. Pour 64 personnes. Ah, plus de 64. Il y a plus de 64 personnes. Il y a ce démanche d'avant du repêchage. Pour tous les joueurs en repêchage.
3. Non, je suis pas, attendez, attendez, oh 1. Go, bon courage à tous. Wesh, je suis pas, frère. Ils ont start comme ça, genre. Y'a pas de message, rien, juste on y va, quoi. Non oh, mais je suis un problème en fait. Nul. 13-35. Nul. Nul. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Jamais ça passe. Il y a tellement de gens qui ont fini aussi. Je pense que c'est mort. Ah, le classement général après l'épreuve Trial Rising. Yes. Elle est top 64. Oh, je suis abattu. Je suis à 4. C'est fou comment c'est injuste comme Zilan cette année. Donc là, on joue le loser de repêchage. Il faut être dans le top 16 sur 64. 16 sur 64. Vous vous rendez compte? Ah, Mathéo est en train de balancer les résultats, je crois. Mon mate était top 99 et moi j'étais... Bon, Mathéo annonce que je suis éliminé. Attention, on enchaîne sur Microworks maintenant. Je suis qualifié, les gars. Oh, pitié que je sois dans un lobby, ok. Je vais dans un lobby avec tous les forts, c'est fini. Fin de l'année. Avec beaucoup de chance, je passe la phase céleste. Je ne pensais pas. La prochaine phase, c'est Microworks. Un jeu que j'ai train, mais que beaucoup de gens ont train aussi parce que le jeu est hyper fun en fait. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui sont forts dans la LAN. L'objectif est simple, on est 16 joueurs dans la game et il faut qu'on soit dans le top 8 pour passer. Il faut qu'on fasse top 8 pour être qualifié, les amis. Le chat, allez, allez, maintenant. Il faut juste pas d'aléatoire de merde ou de trucs comme ça, quoi. Allez. Chien de merde! Allez. Des risques. Je suis mort. Je suis foutu. C'est loose. Oh, c'est loose. C'est giga loose. C'est giga loose. Putain, c'est le pire boss, frère. C'est le pire boss. Non, c'est le pire boss.
on arrive à la finale de Mikroworks, et comme vous le voyez, c'est un ring de boxe. Pour les deux premières éliminations, on gagne 2000 points en plus, et pour chaque élimination, on gagne 1000 points. Le truc, c'est qu'on apparaît au fur et à mesure dans le ring de boxe, et là, c'est purement RNG. Si j'apparais dans les premiers, j'aurai l'opportunité de faire pas mal de points. Si j'apparais dans les derniers, c'est bien fait pour moi. Regardez, regardez, je suis où ? On me cherche, hein. Non, c'est fini, c'est loose. C'est loose, regardez, je spawn jamais. Vous voulez que je fasse quoi ? Je suis où ? Regardez, je vais attendre la fin de la game ou ? Je spawn jamais, frère, je suis le dernier ! Je suis dépité de finir sur ça, la Zedlan. Mais enfin... Allez, fin de game, fin de LAN. Fin de LAN ! Merci ! Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je mérite tellement pas. Je mérite tellement pas. Merci à tous les gars pour la ZLAN. J'ai rien de plus à dire, j'ai pas eu de chance de A à Z et franchement je pense que je méritais pas... Je méritais pas tout ça. Non non, j'ai été nul à chier et en plus j'ai pas eu de chance. Non, tant pis. Bisous tout le monde et rendez-vous plus tard. Salut. Et oui, c'est déjà fini. Non, il y a aucune vanne, hein. J'ai été éliminé de la ZLAN top 67. C'est-à-dire que j'ai été éliminé hyper tôt, beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Alors oui, il y a beaucoup de choses. Manque de chance avec le switch de team où j'apparais pas dans la team que je veux. Enfin, bref, manque de chance peut-être un peu sur la fin sur Mikroworks. Manque de train aussi parce que voilà, je travaillais à côté, donc voilà. Beaucoup de choses. On va pas chercher des excuses. Cette année, on n'a pas été bon. Mais c'est pas pour autant que la ZLAN n'a pas été incroyable. Parce que vraiment, c'était la meilleure ZLAN qu'on ait vue. En plus, on a eu une finale avec 3000 personnes dans le public. Et je suis très content d'y avoir participé. Même si j'ai été éliminé tôt. En plus, j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui m'a accompagné directement à la ZLAN. Gros bisous à ma famille. Mon papa que j'ai ramené directement sur place, qui a pu profiter de la finale et tout. Enfin, bref, c'était génial. Alors oui, c'est pas la ZLAN qu'on attendait le plus. C'est pas le classement que j'attendais non plus. Mais voilà, c'est comme ça. Vous savez, l'année dernière, à la ZLAN, j'ai fait top 11. Top 11 de toute la ZLAN, ce qui était inespéré. Et cette année, je fais top 67. Ça aussi, c'était inespéré. Donc voilà, c'est qui tout double. Peut-être que l'année prochaine, on fera top 1. Ou peut-être pas. Dans l'arène des jeux, un héros nommé Bichard. Il se bat pour la finale, son rêve, son espoir. Les pobles ralentissent, un handicap trop lourd. Les étoiles s'éloignent, mes rêves deviennent sourds. Sur ce lest qui chute, la montagne est trop haute. Les obstacles brisent, il se sent si faible. Golem le regarde, déçu par tant de fautes. Le cœur de Bichard se serre, ils sont dans la brume. Oh Bichard, le courage dans les yeux, mais la chance sourit pas toujours aux audacieux. Placé à Hérombrie, ils sont les élus. Et toi, tu restes seul avec tes rêves déchus. L'estime, c'est de s'éteindre, la communauté s'en va. Vers ceux qui triomphent, les sans bichala. Il voit ses espoirs partir, une étoile qui meurt. Chaque soir il pleure, seul avec ses peurs. Sur ce lest il chute, la montagne est trop haute. Les obstacles brisent, il se sent si faible. Golem le regarde, déçu par tant de fautes. Le cœur de Bichard se serre, ils sont dans la brume. Oh Bichard, le courage dans les yeux, mais la chance ne sourit pas toujours aux audacieux. Placé à Hérombrie, ils sont les élus. Et toi, tu restes seul avec tes rêves déchus. Il rêve de revanche d'un jour où il triompha. Mais ce soir, il est seul, son cœur en mémoire. Les larmes coulent doucement, un espoir qui se fane. Il reste dans l'ombre, un joueur sans flamme. Oh Bichard, le coup